Bonjour, toute la communauté Africa Gene Invest, nous vous convions à une visite du site de 30 hectares que nous mettons à la disposition de toute la jeunesse africaine. Voilà, nous allons faire le grand tour. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes avec des partenaires, toute l'équipe. Donc voilà, là nous ferons le grand tour. L'ingénieur qui est déjà de l'autre côté, hein, lui il est déjà prêt. Chez Jean Abdou. Voilà. Ça, c'est un forage. Non, il faut même garder. Voilà. Oui, oui. Il faut le garder le matin, il s'en va. Pas du tout. Le grand tour continue. Vous voyez, la terre est très bonne. Ouais, ici, c'est un périmètre adjacent. Vous voyez aussi, hein, la mer n'est pas très loin. Vous voyez un peu les manguiers. Trente hectares.
Voilà, merci. Voilà. Il faut des drones. Si, si. C'est l'agriculture moderne. Il faut des drones. Il faut des drones. Donc péage à 1,5 km. Ok. L'océan à 5 km. Très bien. Si, si, absolument. 30 hectares. Avec un bail. Donc l'océan est là à 5 km simplement. Gis nga liñ doon wax li ay vestiges du jardin la salane yi ni ouais c'est des jardins hein ah bon ah oui waaw waaw si 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 mais li grand taxawul fer bi mo baxul ça peut empêcher les animaux té lol moy essentiel bi ñom fer biñ ci def mo baxul quoi. Genre un projet comme ça, si vous avez un entrepreneur, c'est compliqué quoi. Non, non, vous fanane. Fanane. Ok.
Fikay ça demande un aménagement rek hein. Waaw li kay c'est sûr que ay maçon suñ ko joté mom mon nañ ko ki quoi je pense que mo gën défarat lénen dé finaliser ko c'est ça votre tolli quoi hein même bugu exploiter won sax peut-être qu'il n'aura pas le prix bu mu bëgg mais fekk gën na ci dara quoi gën ci dara aussi minimum quand même li dal mom xam nga li yépp c'était des ki ñu ko doon bay courbe ci ay ten la début ci ay ñen exploiter ni quoi sur ce moment c'est important quoi bay di jambar mo waaw ak xam xam non, il doit me résoudre. Technique là quoi. Technique là, amna technique. Si vous voulez venir, mom. Vous devez aller quoi. Non, vous devez aller. Il faut m'amener des techniciens. Ça, on sait sûr. On va amener des techniciens. Donc, le tol, il reste deux parties. Deux parties. De retour après le grand tour. Bonjour à toute la communauté Africa Genie Invest. Nous vous parlions d'un site de 30 hectares entièrement clôturé avec de l'eau en suffisance bien sûr. Et aujourd'hui nous venons juste de faire le grand tour. Vous pourrez tout de suite vous-même faire un tout petit tour avec nous, hein, n'est-ce pas? La communauté Africa Genie Invest, bonjour à la diaspora. Nous sommes sur le site Zainab City. Pour l'instant, il est question de l'exploiter et nous offrons à toute la communauté Africa Genie Invest, aux jeunes Africains d'ici et de la diaspora qui souhaiteraient cultiver un espace de 30 hectares entièrement clôturé avec de l'eau, en suffisance bien sûr. Une clôture, comme je l'ai déjà dit, mais plein de choses, vous voyez un peu la clôture. Donc là, vous avez un espace déjà aménagé pour l'élevage de poulets de chair, de pondeuses, entre autres. Et voilà. Voilà, nous avons déjà fait un grand tour avec toute une équipe. Hein. Voilà, ici, c'est la commerciale d'Africa Genie Invest. Yacine Ba, le grand ingénieur Abdou Dien, ici présent. Donc voilà, sortant de l'ENSA, c'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, très bien, ça c'est une excellente école. Monsieur Dien, un petit bonjour à la communauté quand même. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci, vos premières impressions après la visite? De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est une mine d'or. Absolument. Si je peux m'exprimer de la sorte. Parce que non seulement c'est une surface qui peut être directement exploitée, au regard de la nature du sol, c'est un sol qui est sablonneux. Il y a une partie qui est un peu argile, il y a de l'argile qui est propice à certaines cultures. Donc, toute la superficie est propice aux cultures que l'on a l'habitude de faire. Autant aux cultures hivernales qu'aux cultures horticoles et arboricoles. Il y en a déjà une partie qui abritait déjà un verger avec des espèces de manguiers qui sont déjà productives
Donc il y a déjà de la matière en fait. Donc il ne s'agit pas d'un espace abandonné qui n'a jamais été exploité, mais il s'agit quand même d'un espace qui a toujours été exploité. Donc, mais à un moment donné qui n'a pas été exploité durant ces dernières années. Donc il y a quand même plein d'opportunités ici à saisir. Je pense que en tant qu'investisseur, il n'y a pas un terrain mieux que celui-ci. Donc voilà ce que j'ai pu noter en tant qu'acteur du monde rural, acteur du monde paysan. Donc en tant que aussi petit investisseur, c'est ça. Ne soyez pas aussi modeste, monsieur Dje. Vous êtes sorti de l'ENSA avec une expérience de combien d'années? Une expérience de 5 bonnes années. Voilà, très bien. Donc ça, je pense que on n'a pas à bavarder, hein. On dit l'essentiel. Et ça, c'est le doyen Cissé, grand investisseur, ancien de la BCAO, voilà, qui a décidé de raccrocher avec vraiment le salariat pour se lancer dans le business personnel. Voilà. Vos premières impressions après la visite? Oui, après la visite, on vient de boucler un tour sur le périmètre de 30 hectares. Absolument. Mes impressions, c'est pour confirmer déjà l'opportunité dont je parlais, que ce site est vraiment regorge d'opportunités. On est là sous un poulailler qui peut contenir entre 5 000 à 10 000 sujets. Et je pense qu'il n'y a pas à faire beaucoup de discours. L'objectif, c'est d'attaquer et de commencer à exploiter le plus rapidement possible. Absolument. Merci beaucoup. C'est parti. Merci beaucoup à Monsieur Dien, le grand ingénieur. C'est par modestie qu'il ne s'est pas, en tout cas, présenté, j'allais dire, mais quand même, on se connaît depuis maintenant presque 4 ans. Monsieur Cissé, Yacine, etc. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons un ami, Monsieur Pascal Correa, qui a entendu l'appel que nous avons lancé. Il prendra sûrement la parole, hein. L'appel que nous avons lancé depuis hier, et nous réitérons le même appel. Aujourd'hui, nous avons 30 hectares entièrement clôturés avec vraiment de l'eau disponible, hein, et un sol extrêmement fertile, comme l'a si bien dit l'ingénieur. Et nous sommes prêts à offrir pendant quelques mois quand même cet espace de 30 hectares à la jeunesse africaine et surtout sénégalaise qui est en tout cas tout proche de nous. Monsieur Correa a bien reçu l'appel hier et aujourd'hui, il est venu voir de visu, n'est-ce pas, l'espace que nous avions promis. Nous allons lui passer la parole et il va nous dire, il va déjà se présenter, ensuite nous dire ses premières impressions. Merci. Bonjour, bonjour, salam, gars, bonjour. Oui, moi, c'est Monsieur Correa, voilà, un visiteur. Vraiment, comme nous y avons, souffle de fin, venez, les gars, c'est premier temps. Cultivons la terre et nous allons voir les résultats. Donc là, c'est du bon, hein? C'est un bon business qui est là. La terre est là, il y a de l'eau, il y a tout. Donc c'est clôturé, c'est sécurisé. Donc n'hésitez pas à s'y mettre, n'hésitez pas à s'y lancer. Le Sénégal en a besoin, le Sénégal sort de nous. Voilà, nous délouons ici, nous moi la terre absolument. Voilà mon anil adunavi. Donc on voit les grands pays, les puissants pays qui sont relancés à cause de la terre, qui sont développés à cause de la terre. Absolument. Donc pourquoi pas chez nous ici au Sénégal. C'est le moment. Ah, big up les gars. Allez, merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question. Hier on s'est entretenu au téléphone et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée était d'offrir en tout cas un espace de culture à la jeunesse. Vous aviez entendu l'appel et aujourd'hui vous êtes venu voir exactement. Est-ce que finalement après la visite, vous êtes preneur, vous êtes prêt aujourd'hui à vous engager, ne serait-ce qu'à engager un hectare pour cultiver? Comme on ne sait pas au téléphone, comme je l'ai dit hier au téléphone, voilà, je suis quelqu'un qui n'hésite pas sur des opportunités comme ça. Voilà, et je lance un appel à tout le monde, à tous les jeunes, de ne pas hésiter à investir. On a ce problème au Sénégal, l'investissement c'est un problème. Le fait de prendre des risques pour investir. Et la terre répond toujours aux risques. La terre rend ce qu'on lui donne. Donc vraiment, je suis prêt.
Je suis prêt à m'engager et à me lancer sur ce projet. Ah, mais super. Ah. Hier, vous m'avez rappelé une citation très inspirante. Je ne sais pas si vous vous en rappelez ou pas. C'était quoi encore la citation? Quelque chose comme qui risque gagne. Ah, qui... ok. Voilà, c'est ça, comme le dit le français, qui ose gagne, qui perd paye. Ah oui, voilà, qui ose gagne, qui perd paye. Qui perd paye. Voilà, paye, c'est pas paye en son sens, mais paye en expérience, quoi. En expérience. Tu perds, tu payes. Absolument. Tu as essayé, tu as échoué, donc ça va t'apprendre. Ça va t'apprendre pour une prochaine fois. Absolument. Pour une prochaine fois. Donc, c'est ça l'essentiel. On ne perd pas en quelque sorte. On ne perd pas. Voilà, c'est voilà, ça. On apprend en perdant. Donc, c'est pour ça qu'on dit que qui ose gagne, qui perd paye. Tu oses, tu gagnes. Tu oses, voilà, vas-y, tu te lances à fond et tu mets, tu vas gagner. Tu vas gagner. C'est sûr. Et même si tu perds, en réalité, c'est pas une perte. Voilà, pas une perte. Alors, comme disait Nelson Mandela. Voilà, c'est ça aussi. Soit je gagne. Voilà, c'est bien ça. Je gagne ou j'apprends. Ah ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous.